C'est comme en ce moment, là, sur Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a comme paquet de 1000 pattes, là, qui module la journée? Putain, là, du côté du lac, dans ces coins-là, avec tous les chantiers qu'il y a aussi, hein. Et aussi, alors, du côté de Cestas, par là aussi, là, il y a un gros chantier par là-bas. Et dans ces coins-là aussi, hein, ça module vachement, quoi, la journée, quoi. Ok, d'accord, mais Teddy, il n'y a pas une chanson là-dessus. Non, je me trompe. Le petit Teddy. Ah, je sais plus. Hein. Il me semble, oui. Il me semble que ouais, c'est quelque chose comme ça. Je dois avoir ça quelque point, quelque part dans un coin aussi, moi. Hey, le papy! Bon, en tout cas, de ton côté, là où t'en es, là, au niveau des nouvelles stations, moi. Ah oui, quand même. Ouais, puis si on ajoute sur Bordeaux, je sais qu'il y a 3 mobiles. Il y a un tout nouveau là qui s'est installé aussi, là, un tout nouveau ouais, du côté de Gambetta, du côté de la place Gambetta, il y a un tout nouveau qui s'est installé, bon, avec une antenne de balcon. Puis après, ben, effectivement, si on ajoute tous les autres, Guîtres, Ribérac, Marmande, bon, sur mon secteur, alors je dirais, alors 1, 2, 3, 4, 5, oh putain, j'en oublie, quoi. J'en oublie. 6, 7, 8. Ouais, bah, il doit bien y avoir une dizaine aussi. Hein. Ouais, il doit bien y avoir une dizaine, mais j'en oublie parce que il y a quelques mobiles aussi plutôt occasionnels qui ont tendance, hein, à se retrouver le matin, au week-end. Il y a aussi Billy 24 là, qui connaît du monde, qui est pas très loin aussi. Alors là, il y a toute une équipe de routiers également, puisqu'il y a une gravière là de son côté. Ouais, ben, ouais, entre 10 et 20. Ouais, entre 10 et 20 là environ. Hein. Je les connais pas tous, hein, mais bon, c'est vrai que j'en ai quand même entendu quelques-uns, quoi. Ça va être le bordel. Enfin voilà. Ben ouais, question.
Ah oui, pourtant là, en ce moment, là, ils sont sur le 24. Hein. Je les ai entendus là tout à l'heure, là, toute l'équipe, là, faire le QSY sur le canal 24. Hein. Curieusement, alors moi, dans le lot, il n'y en a peut-être que deux ou trois que j'entends, hein, sur toute l'équipe. Hein. Et pourtant, ils sont un paquet par là-bas. Hein. J'ai déjà fait un QSO à FM. Celui-là qu'on entend tous les matins, c'est Christian, je crois. Je l'ai déjà eu en AM comme en BLU, en fixe comme en mobile. Et comme quoi, sur mon secteur, ça passe bien quand même. Hein. Ouais, ben là, en ce moment, là, je les ai entendus, ouais, tout à l'heure, tous les matins, de toute façon, ils se retrouvent sur le 24. Ils se retrouvent d'abord sur le 19, pardon, et ensuite, ils font QSY sur le 24. Non, pas du tout, non. Non, par contre, là, j'ai vu sur le journal du 11 mètres, hein, ils ont parlé d'un. Il y a eu un article de fait sur un ampli, c'est quelque chose comme 4 kW, je crois, un truc comme ça, quoi. Putain, c'est hallucinant, quoi. Là, tu fais fondre pas mal d'antennes avec ça, quoi. Non, non, l'ampli dont tu parles, je connais pas du tout, là. Ouais, d'accord, mais bon, je comprends que ça t'amuse de faire la course à la puissance. Je veux bien le comprendre, mais tu sais, il arrive à un moment donné où tout le monde t'entend, mais toi, tu les entendras pas forcément. Donc, quel est l'intérêt? Je vois pas trop, quoi. Ouais, d'accord, mais bon, le préampli de réception te préamplifie en même temps les QRM. Alors, que tout le monde t'entende, bon, je comprends, je conçois, hein, il n'y a pas de souci. Mais ces mêmes stations qui t'entendent, si toi, t'arrives pas à les entendre, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Parce que bon, ce canton est à